Est-ce qu'on va faire tomber le second de la poule? Ouais, il reste en seconde, il va falloir... ça va être compliqué là. Ouais, ça va être compliqué, mais on va aller jusqu'au bout. Ouais. On va aller jusqu'au bout. Petrovic, à 3 points. Ouais, c'est bon. Il reste 4 secondes. Il reste 4 secondes. C'est pas fini. On reste lucide, on reste concentré. Super panier, le 3 à 3 points. Mettez-vous sur direct. Mettez-vous sur Radio Cool Direct sur le Facebook pour le voir. Ça va arriver dans une quinzaine de secondes, même pas. Petrovic, le panier à 3 points qui va peut-être donner la victoire. Et là, la salle qui commence à s'enflammer. 73-72. Il reste 4 secondes. 4 secondes, ça va être très très dur. 4 secondes. Allez. 4 secondes à tenir ici. Il va falloir être très très dur défensivement pour réaliser l'exploit. Pour réaliser l'exploit, les garçons. Ouais, de battre les Vendéens et puis la victoire surtout ce soir sur sur un match qui aura été très serré. Mais voilà, Christian Ortega là, il motive les garçons. Il leur dit, c'est dans la tête. C'est allez, dans la tête quand même le match. Allez, allez. Et là, la salle qui s'enflamme. Allez, tout le monde est debout. Enfin, nous, on est assis. Hein. Oui. Et là, les arbitres qui se checkent pour ces 4 dernières secondes. 73, 72. Il leur faut un panier à 2 points ou à 3 points. Ils s'en fichent, les joueurs du pays des Olonnes. Il va falloir bloquer tout le monde. Toto Nkoté. Imov sur le terrain. Et là, les jeunes qui tapent, qui font du bruit. Allez, on va ressortir. Sur Imov. Non, sur le sort. Sur le sort. Attention, attention. C'est raté. Et c'est victoire du Val d'Albret. Victoire du Val d'Albret. Ouais, d'un point. C'est énorme. D'un point. C'est énorme. C'est énorme.